Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de cette édition de Monde à l'envers du mercredi 18 décembre 2019. 8h55, heure du Québec. Heureux de vous retrouver tous. Ceux qui ne sont pas abonnés, ben faites-le maintenant. Vous allez faire partie d'une grande famille curieuse. Merci à tous les abonnés qui nous envoient des liens, des messages que je partage. Vraiment très apprécié. Tout le monde le sait, hein, les gouvernements ont tous leurs programmes spatiaux, d'agences spatiales, de... Les plus gros pays ont leur programme aussi d'essayer de communication avec des entités extraterrestres. Hein? C'est connu. On envoie des signaux, on envoie ça et on attend que quelqu'un ou quelque chose le capte. Et l'Afrique n'en fait pas exception. On a eu beaucoup, beaucoup de témoignages ces dernières années d'observations d'OVNI, d'écrasements d'OVNI même, hein? Avec ou sans preuve, ou fondée ou non fondée, hein, crédible ou non crédible, il y en a eu plusieurs. Et ça nous amène à cette nouvelle qui nous provient d'un site assez intéressant que j'aime bien aller visiter une fois de temps à autre, qui nous dit que l'Afrique dévoile un vaste réseau d'antennes de chasse aux aliens, aux extraterrestres. Des milliers d'ingénieurs ont travaillé dur sur un gigantesque réseau intergouvernemental de radiotélescopes appelé Square Kilometer Array, le SKA, qui serait si vaste qu'il couvrirait 8 pays d'Afrique. La première poignée de ces satellites hein, a déjà été construite, rapporte Wired. Et une fois terminée, la matrice balayerait le ciel à la recherche de signaux radio, y compris des signes de vie extraterrestre, jusqu'à des milliards d'années-lumière. L'idée est de simuler une soucoupe assez grande et colossale en enjoignant des milliers de petites soucoupes dans son réseau, selon Wired. Une fois terminé, il couvrira 8 pays africains et rejoindra également jusqu'à 1 million d'antennes beaucoup plus petites prévues pour l'Australie. L'idée de l'effort de franchissement des frontières remonte au début des années 90. En 2011, 13 pays ont décidé de financer SKA et de partager ces données. Seule une poignée d'antennes paraboliques de 50 pieds de large ont été construites jusqu'à présent en Afrique du Sud, avec un total de jusqu'à 3000 qui sont prévues sur l'ensemble du continent. Le site central africain a été construit dans un ancien fond marin à Karo, en Afrique du Sud, et se compose de 66 panneaux réfléchissants triangulaires. Le projet massif est doté d'un budget étonnamment efficace et les 113 premières soucoupes ou cette assiette hein, de ce qu'on appelle ce réseau-là, devrait être achevée en 2027 pour un coût total de 1 milliard de dollars. Wow, vraiment, vraiment très intéressant. On ne fait pas ça pour rien. Et ça nous prouve à quel point nos élus, nos gouvernements, les dirigeants sont préoccupés et veulent savoir si l'univers est habité par une autre forme de vie, plus avancée peut-être, ou le savent-ils déjà et veulent juste nous tendre un piège de diversion